Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Ça faisait longtemps, mais en même temps je savais que le SCJ3 allait bientôt tomber, donc j'ai bien paqué mes cristaux. Donc on est paré avec ce step up à l'occasion de la Black Friday sur Dragon Ball Legends, ça fait plaisir. C'est plutôt intéressant parce que on pourrait avoir des craintes parce qu'il y a pas mal de sparking sur le portail, mais en fait c'est plutôt bien fichu quelque part parce que en gros, même si, comme tu peux le voir, il y a 41 sparking, tu dis merde, mais ça va être pourri. Non, parce qu'en fait, les 5% de taux drop sont répartis avec 1% pour chaque perso, comme d'habitude en fait. Et en fait, tous les sparking restants se partagent les 2%. Donc au final, on a autant de chances d'avoir Goku que s'il était sur un portail avec 5 sparking. Donc au final, pourquoi pas, c'est cool. Sachant que là, il y a 3 nouveaux sparking, plus après, t'as un panel d'anciens sparking. Alors sachant que, pour ma part, je n'ai pas couleur ici. Bon, qui est assez ancien, je suis pas sûr qu'on le joue encore beaucoup. J'ai pas Trunks ici, j'ai pas Cell. Et puis, j'ai pas C16 non plus, bon, bah, Piccolo Daimao non plus. Ah, il y a déjà Gogeta avec Janemba hors détecteur, enfin, hors détecteur entre guillemets. Gotenks, je l'ai pas non plus. Ah oui, il y a quand même des persos récents, donc ok. Mais en fait, il y a peut-être tous les sparkings, en fait, je suis en train de me dire. En fait, ils y sont tous, je pense. Enfin, après, avec ceux qui ont hors détecteur. Donc, en fait, il peut y avoir de bonnes surprises, tu vois, hormis le détecteur. Donc voilà, donc moi, ce qui m'intéresse en priorité. Alors, c'est vrai que c'est un portail limite qui est fait pour moi. Je l'ai dit sur Dragon Ball Legend, j'invoque surtout par rapport à la hype que j'ai, par rapport au perso. Je me prends pas la tête, je joue régulièrement, hein, mais voilà, je me prends pas la tête. Même le PVP, je joue en fait de temps en temps, mais franchement, c'est pas ce que j'apprécie plus dans le jeu. Vraiment, là, c'est vraiment l'aspect collection de ouf sur ce jeu-là, parce que les cartes sont vraiment magnifiques. Et donc là, ce portail, SSJ3 Goku. Donc, vous savez que j'adore le SSJ3, c'est ma transfo préférée. On a Black Goku, vous savez que j'adore Black Goku, rosé, enfin plus particulièrement quand il est en rosé, mais voilà. Et puis avec ça, on a Majin Vegeta. Alors certes, je suis pas forcément fan de Majin Vegeta, mais la carte est magnifique. Alors l'aspect ultime pour moi, ça me rappelle, ouais, ça me rappelle presque un enchaînement de Xenoverse, genre mais. Alors non, pas Xenoverse, peut-être dans Raging Blast, ou même dans les Tenkaichi. Genre je crois que c'est à l'identique, je crois, à l'enchaînement. C'est bon, bref. En même temps, c'est pas si étonnant, parce que les développeurs de ce jeu-là, je crois que c'est les développeurs de Xenoverse, je dis pas de conneries. Donc ça serait pas si étonnant, mais bon. Peut-être dans Xenoverse aussi l'enchaînement, enfin bref, je sais plus, mais ce truc-là, j'ai déjà vu quelque part. Ah non, mais non, j'ai dit que non, en fait, c'est simplement l'enchaînement de Goku, en fait. Le tout premier Sparking. J'ai vu ce truc-là quelque part, attends, fais voir. Ah si, c'est ça, ça y ressemble de ouf. En fait, jusqu'à la fin, c'est limite la même spé. Hein. Ils sont pas trop fait chier quand même. Hein. C'est vrai que je viens de remarquer ça, mais c'est limite la même chose en fait, l'enchaînement. Bref, bon. En tout cas, bon, peu importe. Voilà, pour l'instant, les gens, on n'est pas là pour les spé. Hein. On est là parce que pour les cartes. Hein. Les cartes sont vraiment magnifiques. Alors, Majin Vegeta qui a aussi deux attaques. Bon, j'imagine que la première, c'est la Final Impact. Voilà. Classique. Ensuite l'aspect ultime. Ah dommage, il dit pas adieu Kakaroto machin. Ok, Black Goku, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Ouais, bon, ouais, bah, c'est un Black Kamehameha. Bon, je vais retirer le son de jeu parce qu'il y a déjà un petit décalage. C'est le seul petit défaut de Air Server, c'est que le son, je sais pas pourquoi il fait un décalage comme ça. Bref, bon, c'est pas très grave. Bon, allez, c'est parti. Trêve de bavardage. On va faire les singles quotidiennes pour se chauffer. Et puis après, on va on va craquer hein, sur le step-up. Hein. Je pense que je vais faire toutes les étapes, à moins que j'ai une chance exceptionnelle et que j'ai Goku. Alors, en priorité, j'aimerais avoir Goku SSJ3. Après, Black. Et après, Majin. Parce que, bon, Majin, j'aime bien, la carte est belle, mais c'est pas non plus un kiff de ouf. Donc, l'objectif clairement prioritaire, c'est Goku SSJ3. Parce que Black, c'est même, vu qu'il est pas en rosé...
Bon, c'est pas non plus... La carte est très très belle, hein, mais bon, c'est surtout Goku SSJ3 l'objectif. Donc franchement, si je le drop rapidement, on sait pas hein, ce qui va se passer, mais je vais peut-être arrêter. Parce que clairement, c'est lui qui m'intéresse hein, en priorité. La carte d'ailleurs est magnifique là, comme ça, avec le SSJ1, le SSJ2, oh, le SSJ3, c'est magnifique. Vous savez les gars, je l'attendais cette carte, je l'attendais, et je suis pas déçu. Hein. Voilà, single sur Gotenks que j'ai toujours pas, donc je cracherai pas sur Gotenks. Bon, y'a rien du tout. J'aurais pas craché sur un petit Gotenks. Alors le taux de drop par contre voilà est à 5% hein, comme d'hab, hein, donc je vous ai dit, hein, le taux est pareil. Hein. Donc voilà, mais bon après il n'y a pas de... Enfin, il y a pas vraiment de... Enfin là c'est pas comme s'il y a un hors détecteur parce que c'est les 2% qui sont réservés... Enfin on pourrait dire qu'il y a un hors détecteur à hauteur de 2% contre 3 pour le détecteur, on pourrait dire ça, mais... C'est pas ça, c'est pas la même chose, c'est pas exactement ça non plus, donc on va pas commencer à s'embrouiller. Bon allez les gars on est parti. Je vous demande un peu de luck. Au moins avoir Goku, je serais déjà très content. Si on peut avoir au moins avec Black, c'est génial. Si on a les 3, c'est magnifique. Ou au pire, des Sparking que j'ai pas, hein, Cell, etc. Bon, crache pas dessus. Mais au moins Goku, s'il te plaît, le jeu. Parce que vraiment, sur ce jeu-là, c'est l'aspect collection, moi, que je kiffe. Parce que les cartes sont vraiment incroyablement belles. Donc, clairement, s'il te plaît, le jeu. Goku, les gars, Goku. Voilà. Allez, on est parti. Donc, première étape, 3 tirages consécutifs. Donc, il y a 3 cartes qui sont tirées. On est parti. Si on peut taper un Sparking sur 3 cartes. Voilà. Bon, dans tous les cas, on a 12 Sparking garantis avec les tickets. Ça, c'est sûr. Mais après, on peut pas savoir qui va tomber. Hein. C'est toujours pareil, hein, de toute façon. Mais c'est quand même rassurant de se dire qu'on aura des tickets. Mais bon, après, là... Bon, pour l'instant, ça va pas aller ouf. Alors, si on met de côté les tickets, on est censé, en 4000 cristaux, sachant que, en plus, il y a des réductions hein, à certains moments, mais pour faire simple, sur 4000 cristaux, normalement, t'as 2 Sparking. Donc, normalement, si tu fais le step-up en entier, statistiquement, t'es censé avoir 2 Sparking, plus les 2 tickets. Après... Ah, c'est marrant, regardez, je sais pas si c'était animé la dernière fois. Vous voyez, en fait, il me met en orange là où j'en suis, quoi. Ok, sympa, plutôt pas mal. C'est sympathique. Bon allez, deuxième, 5 cartes. 3 capsules, c'est Super Saiyajin. C'est mieux, mais ne nous avançons pas trop vite, parce que voilà, égalité. Ah, rouge, extrême, minimum. Allez, allez, on gagne, on gagne. Ah, on gagne pas. On gagne pas les gars. On gagne pas. Ouais, ça, je pense que ça va être de l'extrême, hein. Pas plus. À moins qu'il y ait une surprise, mais. Alors que, je crois qu'il y a un ou deux extrêmes que j'ai pas encore. Non, mais je dirais. ça fout les nerfs quand t'as de la hype sur une animation alors qu'il n'y a rien du tout, c'est horrible. Oula, Kame Sennin, il est chaud. Bon, les amis, troisième palier. Donc, troisième palier, 10 tirages. Donc là, on va être à 18 tirages. Donc là, normalement, un Sparking devrait tomber. Sinon, c'est un petit peu gênant. Un petit Sparking sur cette multi, s'il te plaît, le jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas invoqué. 5 capsules, c'est déjà plus intéressant, forcément. Ok, on se fait défoncer en deuxième partie, donc là par contre c'est un peu pas bon signe, mais ok. À moins qu'on gagne là. Allez, Goku. Pff, oula, ça sent pas bon les gars. À moins qu'il y ait un Sparking qui se transforme, enfin un héros qui se transforme, mais... putain, on a eu 5 capsules. Tu vas pas me dire qu'on a eu 5 capsules pour rien quand même. Si on a que des héros avec 5 capsules, je comprends plus les animations de ce jeu en fait, hein. Faudra m'expliquer, hein. Ah, je l'avais pas. Je crois qu'il doit être nouveau, lui. Non, mais attends. On a eu 5 capsules pour ça, en fait. Enfin, je comprends pas. Ah, pour un extrême. Ah, d'accord. 5 capsules pour un extrême.
Waouh, ok. Ah bah tiens, bon ok, moi ça c'est cool au moins. Ok. Ok, 5 capsules pour... pour de carte extrême, super. Magnifique. C'est génial, c'est génial. Alors c'est ça le problème avec ce jeu là, c'est que certes, les pourcentages en soi sont pas si mauvais. Ils sont même au-dessus de Dokkan hein, par rapport à une carte en particulier. Mais le problème c'est que comme il n'y a pas de SSR garantie ni quoi que ce soit, comme c'est en train de se passer, tu peux enchaîner des invocations sans rien avoir du tout quoi. Et là, bah c'est ce qui se passe. Donc là on est à... on a claqué... Bon, ce qui est bien c'est qu'on a claqué que 1100 cristaux. Mais on est bientôt à 20 tirages. Et toujours aucun sparking. Bon allez. Là, 1000 cristaux, ça pique. Bon, on a le ticket, mais là, ce serait bien que j'ai un sparking sur cette multi, parce que bon... Ok, 5 capsules, Goku, mais voilà, envoie de la puissance, là. Envoie de la puissance, là, sous... Mais wesh! Mec, il se transforme, il arrive pas, il fait rien. Allez, là, on gagne! Non. Sérieux, quoi. Donc là, j'ai eu 5 capsules Super Saiyan, et tu... Dans ce cas-là, me mets pas ce genre d'animation. Si c'est pour m'envoyer un extrême, c'est débile. Enfin, je sais pas. Pourquoi tu mets 5 capsules pour un extrême? Je comprends pas. Et un Super Saiyan. Ça n'a aucun sens. Regarde-moi ça. Mais... Que ce délire. 5 capsules Super Saiyan pour ça. Donc là, on est... Ouais, c'est cool le ticket, mais bon. Donc là, on est quand même... Donc déjà, plus de 2000 cristaux claqués, pas de sparking. Et en termes d'invocation, on est à 28 cartes tirées. Ah, il va me manquer... Ah merde, il va me manquer des cristaux, en fait, là. Wow, une capsule. Mais attends, c'est une blague, là? Sérieux, là? Non mais attends, t'es sérieux là? Là je viens de rebalancer une multi complète hein les gars. Non mais c'est une blague ou c'est comment? Waouh, mais c'est sérieux le jeu là? Waouh. Ok. Tu sais quoi, on va passer, ça me saoule en fait. Ah, quoi? Non! Mais non! Mais non! Mais non! Putain! Mais non! Mais non, putain, j'aurais pas dû passer! Mais non, fallait pas passer! Les gars, fallait pas passer! Putain, mais t'es sérieux? Non, mais attendez! Non, mais comprenez-moi! Attendez. Déjà, on a rien, on arrive à la 5ème multi! Il me met une animation de merde! Et là, il me balance deux sparking, les deux nouveaux! Goku, Majin, mais non! Mais non! Bon, d'un côté, c'est drôle, tu vois, mais non! Putain, mais non! Oh, je lui attendais tellement pas! J'ai fait passer, moi, je m'attendais à avoir de la merde, que des héros! Oh là là! Oh là 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 là! Bah, ça remonte tout, évidemment! On est refait! On est refait de ouf, les gars! Putain, c'est cool! Ah, ça fait plaisir, j'étais en train de perdre espoir, les gars, j'ai packé mes cristaux pendant... Parce que les cristaux, on en a un peu moins quand même qu'au début, hein, clairement. Donc là, j'avais pas qu'un moment, j'étais dégoûté, là. Ah, j'étais deg, taper que des... Enfin, même rien, tu vois, encore une fois. Encore une fois, tu drops d'autres sparking, c'est déjà ça. Mais là, on avait rien, du tout. Ah, je m'y attendais pas. Improbable, improbable ce qui vient de se passer, les gars. Bon, je sais qu'on peut se faire feinter par le jeu, mais... Waouh. Alors, est-ce qu'il faut que je passe mes multis pour qu'il y ait des sparkings qui apparaissent? Tiens, c'est dommage parce que n'empêche, si j'avais laissé, putain, on aurait vu le premier, le deuxième. Mais bon, d'un côté, c'était marrant aussi puisque je m'attendais pas du tout, quoi. Bon, on va faire le tirage gratuit, mais sincèrement, est-ce que ça vaut le coup de faire le dernier? Qui est rien du tout. Bon, dans tous les cas, je suis content, voilà, il n'y a pas de souci, mais je suis satisfait de mes invocations, mais... Alors est-ce que là on est en train de nous feinter encore là? Bon alors on va vraiment avoir de la merde, mais je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre.
Ah putain, je m'y attendais tellement pas, mais vraiment pas. Alors est-ce que c'est une vraie multi de merde ou est-ce qu'on va se faire feinter? Bon là pour le coup, ça sent la multi vraiment moisie. Bah je crois que je vais pas forcer parce que en fait j'ai 2D3 les gars. On sait très bien que les cartes sur les gens reviennent quand même rapidement. Je suis sûr que Blagoku il va revenir prochainement, peut-être avec d'autres cartes que j'aurai pas. Alors que là, si je force juste pour lui, c'est un peu stupide. Donc, après, c'est vrai qu'il y a le ticket Sparking garanti, mais... C'est vrai, mais... Ah, il 20%, bah... en fait, ça revient au même que sur le portail. Hein. 20-20-20, en fait, c'est séparé en 3. Enfin, voilà. Bon, bah, écoutez... On est parti pour le ticket, je pense que je vais arrêter là sincèrement parce que, comme j'ai dit, les cristaux, on en a quand même de moins en moins sur le jeu Topai Pai. Et là, j'invoquerai que pour Black. Seulement pour lui, c'est très risqué quoi, enfin je veux dire. Bon après, dans tous les cas, j'aurais fait une multi maxi en plus. Là, je sais pas quoi faire, c'est vrai qu'il y a un ticket en plus, je sais pas. Une multi à 1000 avec un ticket. Ah, on va avoir Végéta en prime. Bon les gars, bah si on drop Black là, la question se pose pas, hein les gars. La question, si on drop Black maintenant, la question ne se pose pas. Donc Black, regarde, il y a Rosé derrière, regarde, Rosé, Black Goku. Ok, Trunks petit. Ah, je sais pas quoi faire. J'avoue, d'un côté, un ticket Sparking garanti, c'est quand même intéressant quoi. Bon, le Trunks c'est pas mal, parce que bon, c'est un bon Sparking avec le Andio et Goten. Donc c'est plutôt sympathique. Bon les amis, allez, je vais vous faire plaisir. Et je vais me faire plaisir aussi, accessoirement. On va juste prendre le petit pack à 1€. Parce qu'en fait, j'avais mal calculé mes cristaux. Je pensais que j'avais assez, mais non. J'ai pas fait gaffe. On va prendre le petit pack à 1€ pour avoir nos cristaux manquants. Et on va faire la dernière multi et après j'y touche plus parce que de toute façon peu importe hein, que je drop ou que je drop pas j'y toucherai plus et puis il va falloir repacker les cristaux à partir de maintenant pour la suite végétaux mais en tout cas je suis super content parce que j'ai le SSJ3, c'est une des cartes que je voulais le plus dans le jeu donc voilà moi je suis super content, c'est super cool, voilà. Dans tous les cas je suis refait. Bon les gars, dernière énergie sur cette multi. Parce qu'au final, du coup, pour l'instant, on est à 2 Sparking sur tout le step-up. Alors, vu qu'on claque 4000 cristaux, en soi, c'est correct. Mais bon, quand tu vois toutes les invocations que tu fais, c'est pas incroyable. Mais bon, vu qu'on a eu Goku et Majin, c'est déjà très cool. Bon, on se fait tabasser. Allez, on le tue, là. Végéta. Je pense que c'est mort. Mais bon. Ah non, je l'avais ce Goten. Je croyais que je l'ai pas. Bon. Sait-on jamais. Bon, après. Vu qu'il y a les tickets, au final. C'est quand même intéressant. Parce que bon, par rapport au taux de drop de base. Vu que t'as 2 tickets Sparking. C'est comme si t'avais eu ton taux de drop à 5%. Mais bon. T'as quand même envie d'avoir quelque chose dans les invocations, tu vois. Bon, là, je pense que c'est pas bon. Je devrais passer les gars peut-être hein, parce que quand je passe la multi apparemment ça marche bien. Ça a rendu ouf comme cette vidéo parce que les animations qu'on a eues pour rien, c'est incroyable quoi. Du SCJ, du 5 capsules pour que dalle quoi. C'est ouf quoi. Regarde-moi ça. On a un SCJ, je sais pas pourquoi. Alors ouais, il y a eu 4 extrêmes, ok. Alors je sais bien que SCJ c'est pas Sparking garanti, mais c'est juste que ça te hype et tout, et au final t'as rien quoi. Bon, les amis, le ticket Sparking garanti. Si on peut avoir Black, alors là, c'est un. C'est un braquage pour moi. Ah, les Dragon Ball, je les avais jamais eu. J'avais jamais eu Dragon Ball en animation. C'est fait. Allez, Black. Si je fais tomber Black.
Si Black tombe, je vous fais gagner 20€ demain sur Twitter. Voilà, c'est dit. C'est dit. Entre Dokkan et Légende, là, je suis refait. Voilà, c'est dit. Si Black il tombe, demain, 20€. Le jeu. Alors ? Et bah voilà, c'est dit, on fait ça demain les gars. Et le black qui tombe sur le garanti, le deuxième, bah j'ai bien fait de continuer. On a eu les trois, c'est magnifique. Alors je voulais en priorité Goku et Black, mais voilà, bah, on a eu Majin aussi, donc c'est magnifique, c'est parfait. Au final, c'est un braquage, alors qu'à la base, bon, il y en a qui ont eu certainement mieux, hein, peu importe, mais c'est quand même un beau braquage, parce que bon, faire le step-up, tout avoir. Quand même, c'était très 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 mal parti, sérieux, hein, vous n'allez pas dire le contraire. Hein. N'importe qui, je pense, aurait commencé un peu à sombrer au moment où on a eu les deux là. Et là, au final, c'est, voilà, c'est un braquage, hein, c'est un braquage, on a réussi à avoir les trois. Grâce au ticket pour le black. Donc demain, sur Twitter, je vous fais gagner 20€, ça me fait plaisir. C'est dit, donc on se fait ça demain, il suffira de RT le tweet, machin. Je ferai ça demain. Bon bah écoutez, on est refait. Hein. On est refait comme jamais. Voilà, c'est parfait. C'est. Voilà. Ouais, j'ai craqué parce que ce portail-là, c'était vraiment un portail pour moi. Hein. Je veux dire, SSJ3 Black. Des persos que j'adore. Tu peux difficilement plus me hyper. Ouais, après s'il y a d'autres trucs, mais. Mais quand même. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Bon, il y a la carte à côté. Faut bouger, faut faire quoi? Attends, ça a pas déjà switch. Ah non, attends, faut tourner. Ah d'accord, ok. En fait, ça rend comme ça. Attends, hein. What? Attends, hein? Ah si, c'est ça. Pourquoi il veut pas quand je vous le montre? Bien, bah, moi quand je regarde, ça marche, et quand je veux vous le montrer, ça marche pas. Bon bref, tu mets le téléphone à l'horizontale, ok. Magnifique, magnifique. Majin Vegeta. Oh là là, oh là là. Avec les éclairs et tout. Oh là là, t'es sérieux? Ah, vous avez vu là le perso en noir et blanc un peu, tu sais. Ah, c'est chaud. Oh. Ouais, franchement, tu pourras dire ce que tu veux, mais. Pff. Les cartes dans ce jeu, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est. Faut tourner. Non. Ah, faut incliner. Non. Slide. Rester appuyé, peut-être. Attends, y a pas autre chose? Ah non, c'est ça. Ok. Bon les amis, on est refait, faut avoir monter tout ce beau monde. Franchement, très honnêtement, autant je voulais pas forcément Majin, mais l'animation de la carte est incroyable. C'est une des plus belles animations, peut-être même la plus belle animation de carte que j'ai vue sur le jeu. C'est quand même incroyable, parce que là encore Goku c'est magnifique, mais ah, c'est assez simple, tu vois, il y a des éclairs, il y a l'aura, mais wow, Majin, les éclairs qui pop. C'est un bordel quoi, les rochers machin. Waouh. Bon les amis, je suis refait. Voilà, ça va refaire ma journée, même demain, enfin bref, peu importe. Donc voilà, donc demain je vous ferai gagner 20€ sur Twitter. Donc n'hésitez pas, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre. On fera ça demain pour que vous puissiez invoquer sur Dokkan, sur Légende, sur ce que vous voulez. Donc voilà, des bisous à tous, pensez au petit pouce bleu de soutien les amis. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On se dit très certainement à tout à l'heure pour une vidéo Dokkan, peut-être. Je sais pas si je pourrais la faire maintenant, mais pour la catégorie Full Power. Et sinon, ce soir en live, très certainement, pour farmer sur Dokkan et peut-être même sur Légende. Parce que du coup, il faut que je monte tout ce bon monde. Même si, de toute façon, toutes les âmes sont pas forcément là. Enfin, les events, mais bon. Enfin, bref. Bon, allez, passez tous une bonne après-midi. À très très bientôt. Je suis refait. À bientôt, salut.